On appelle monsieur Abdawan, coalition des organisations mauritaniennes au Sénégal. Alors, où sont mes camarades de l'IRA? Où est la coalition des organisations de réfugiés mauritaniens au Sénégal? Où sont les forces de libération africaine de Mauritanie? C'est la coalition des organisations mauritaniennes qui se battent contre le racisme et l'esclavage. Eh bien, c'est cette coalition qui m'a demandé de venir et de vous transmettre trois messages. Le premier message est un message de solidarité. Le fait d'avoir vécu en Mauritanie, le fait de vivre le racisme et l'esclavage tous les jours, nous ne pouvons être que solidaires avec nos parents, nos frères qui sont aujourd'hui en train de croupir dans des pays comme la Libye et même la Turquie. Donc le premier message est un message de solidarité. Pour avoir vécu tout ce que nous avons vécu en Mauritanie, nous comprenons cette souffrance du peuple africain, des immigrés qui sont partis pour chercher de meilleurs rendez-vous, de meilleurs lendemains. Le deuxième message est un message de rappel. Nous voulons vous rappeler qu'ici, je fais face à l'ambassade de la Mauritanie. Et la Mauritanie est à quelques mètres d'ici. C'est de l'autre côté, c'est à quelques kilomètres de Dakar. Mais il suffit de traverser la frontière, de traverser le fleuve Sénégal pour se rendre en Mauritanie. Aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre 2017. Il y a des êtres humains qui appartiennent à d'autres êtres humains et ça se passe en Mauritanie. Le racisme existe, l'esclavage existe. En 1989, la Mauritanie a déporté plus de 200 000 négros mauritaniens vers le Sénégal et le Mali. Et ces réfugiés continuent de vivre dans des conditions inimaginables, aussi bien au Sénégal qu'au Mali. Et ceux qui sont rentrés sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, à savoir la Mauritanie. C'est dire que l'apartheid, la lutte que les gens menaient contre l'apartheid en Afrique du Sud est d'actualité, parce qu'en face, nous avons une Mauritanie raciste, esclavagiste et chauvin. Mais, nous ne répondrons pas au racisme par le racisme. Nous répondrons au racisme par la justice, par l'égalité, par une certaine compréhension. Parce qu'en réalité, nous n'avons rien contre les Arabes. Et c'est ce que j'invite aussi les Africains à comprendre. J'invite mes parents à comprendre que l'ennemi, ce n'est pas le Libyen en soi, ce n'est pas le Marocain en soi, ce n'est pas l'Algérien. L'ennemi, c'est le système qui a permis eh bien, l'esclavage d'exister. C'était mon deuxième message. Mon troisième message est un message d'engagement. Mes amis des Flammes, de l'IRA, de la coordination, m'ont chargé de vous dire qu'ils seront là en train de lutter avec vous et qu'ils vont continuer la mobilisation avec vous pour quatre raisons. La première raison est très simple, c'est que nous avons souffert, nous souffrons, nous ne voulons pas que des êtres humains souffrent. La deuxième raison est que nous avons souffert, nous souffrons, nous ne voulons pas que des êtres humains souffrent. La troisième raison est que nous avons souffert, nous souffrons, nous ne voulons pas que des êtres humains souffrent. Et la quatrième et la dernière raison est que nous souffrons, nous avons souffert, nous ne voulons pas que des êtres humains souffrent. Je vous remercie. Jarangen Jeff, on jaram, assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Abdawan.